Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun les potos. Là je vais vous présenter un glitch don de véhicule très facile à faire. Assez long mais très facile à faire. Donc les potos, celui qui va vous donner un véhicule, il va créer une session sur invitation. Il va vous inviter. Il va vous falloir que vous ayez tous les deux le même bunker. D'accord? Obligatoire à chaque fois. Une fois que vous êtes dans ce bunker, on va avoir un camion vide ou avec un Fadjo dedans. Ce Fadjo là, vous allez le sortir et vous allez faire comme moi là, d'accord? Vous allez préparer une activité récente, donc à acheter un nouveau véhicule ou une nouvelle arme. Et votre ami, vous allez l'inviter dans le bunker. Donc une fois que vous avez créé cette activité rapide, vous cliquez dessus, vous préparez votre curseur sur lancer GTA Online. Et vous faites 2 fois PS, vous revenez dans le jeu. Donc une fois que votre ami est dans le bunker avec vous, vous allez aller sur ce petit message du camion. Vous allez faire flèche de droite, 2 fois PS, lancer GTA Online, et vous restez sous ce message. Vous ne bougez pas de là. Votre ami là, il va faire 2 petites manips. Il va rentrer dans le camion, ressortir du camion, et il va lancer une mission de Titan. Dès qu'il est dans la mission de Titan, il va nous prévenir. Les gars, juste après, je vous ai fait l'autre méthode. Quand moi, j'aide un ami, d'accord? C'est le plus dur au final. C'est celui qui aide qui fait le plus. Donc là, je vais attendre qu'il rentre dans mon camion, qu'il en ressorte, qu'il lance la mission Titan. Dès qu'il est dans la mission Titan, moi, je vais refuser ce message. D'accord? Je vais faire rond et vous allez apparaître comme moi. Donc on va lui laisser le temps, ça bug un petit peu. Mais il n'y a pas de problème. Obligatoire, les gars. C'est votre ami qui vous donne un véhicule, c'est lui qui crée la session sur invitation. Vous allez le rejoindre. Que vous ayez tous les deux le même bunker, obligatoire aussi. Parce qu'on fait un bug dans les camions, si vous n'avez pas le même bunker, ça ne marchera pas. Voilà, donc le truc c'est sans fail, ça arrive de rater. Et ben, si vous ratez, vous changez de session, vous recommencez tout à zéro, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Encore merci à Brotech de m'avoir aidé à faire cette vidéo. Très très gentil le poteau. Il est venu, il m'a écrit, il m'a dit, oh poteau, il y a ça et tout. Faut qu'on le fasse, je l'ai fait, il marche. Il m'a régalé. Franchement, un gros GG à lui. Ça fait plaisir d'avoir du soutien comme ça. Surtout qu'aujourd'hui, j'étais pas là, j'étais au travail. Et j'ai pas eu le temps de voir ce glitch. Et en 5 minutes, il m'a montré comment le faire et tout. C'est bon, lui il était dans mission Titan, j'ai refusé le message. Maintenant je dois le rejoindre dans mission Titan. D'accord? Je vais dans le chat party, rejoindre la session. Je vais accepter ces 2 messages. Vous acceptez les messages. Là vous faites pavé tactile et vous vous suicidez. Pavé tactile, suicide, bim. Et vous allez voir où je vais apparaître. Et là en fait, mon ami il doit préparer un véhicule déjà. Avant de commencer, il aurait fallu qu'il prépare un véhicule ici. Donc je vous en ai pas parlé avant. Mais lui, avant de rentrer dans le bunker avec mon invitation, il vous met un véhicule ici. Le véhicule qu'il veut vous donner. Parce qu'après lui, il pourra pas. Là, il est dans la mission Titan. Donc lui, il m'a placé le véhicule au tout début. D'accord? Vous allez le voir quand c'est moi qui donne un véhicule. Vous montez dedans. Et là, votre ami, maintenant, il peut quitter sa mission de Titan. Ok? Donc, moi, je vais me placer un peu au fond du garage, d'accord? Là, vous verrez où je vais me déplacer avant d'appeler le camion. Là, mon ami, il a quitté la mission Titan. Il sort de mon complexe et il rentre dans le sien, d'accord? Vous, vous allez vous mettre vers ici. Comme ça, votre camion, quand vous allez l'appeler, il va apparaître juste à côté. Parce que sinon, il risque de spawn un peu loin et ça va être galère. C'est même pas la peine. Donc là, j'attends que mon ami re-rentre dans son bunker cette fois-là. Donc il sort de la mission Titan, il sort de mon bunker, il va dans le sien.
dès qu'il est dedans, il me lance une invitation dans son bunker. Cette invitation, je vais l'accepter et ça va rien faire. Ça va être buggé, il n'y aura rien. Ensuite, lui, direct, il va dans son camion et il m'envoie une invitation, mais dans le camion. Donc là, vous voyez, j'ai son invitation dans le bunker. Vous la validez, ça fait rien. Moi, là, je vais commander un camion. Je vais demander mon centre d'opération mobile. Je vais attendre qu'il apparaisse. Et entre-temps, mon pote, il rentre dans son camion du bunker. Et il va me lancer une invitation dans le bunker. Dans le camion du bunker, pardon. La manip, elle est pas plus dure, les gars. Là, on a fait le glitch, c'est fini. Donc, je vais attendre son invitation. Je vais me mettre au cul de mon camion. Et vous aurez un message comme quoi le véhicule ne peut pas être rentré dedans. Parce que c'est pas mon véhicule, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Donc, on va finir la manip et vous verrez qu'on va me donner un véhicule. Allez, c'est parti. Donc là, il m'a lancé l'invitation dans le camion. Vous allez tout accepter. Vous allez avoir un écran noir. Vous attendez le chargement. Et là, il va falloir lancer une activité rapide. Une activité récente. Donc, on faudra faire PS. On ira dans profil, activité récente. Pareil que tout à l'heure. Donc, acheter une arme ou acheter un nouveau véhicule. Et vous lancez GTA Online. Et dès que vous aurez ce message, vous allez le refuser. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, je vais faire PS. Profil. Activité récente. Acheter un nouveau véhicule ou une nouvelle arme. Cliquez dessus. Lancer GTA Online. Et vous refusez ce message. Et là, à partir de maintenant, vous ne faites plus rien. Vous attendez d'apparaître dans votre camion avec le véhicule. Tout simplement, les potos. Là, le glitch, il est fait. Le don de véhicule, il est fini. C'est tout est bon. Donc maintenant, je vais vous montrer la manipulation pour le faire quand c'est moi qui donne un véhicule à un ami. Allez, je vous retrouve tout de suite, les potos. Tout à zéro, c'est moi qui donne un véhicule. Donc moi, je dois créer une session sur invitation parce que c'est obligatoire que ce soit celui qui donne un véhicule qui lance une session sur invitation. Que je lance une session sur invitation, j'invite mon ami dans la session et je vais déposer le véhicule en bas à la marine, la marina. C'est le port. Il y a les dockers et tout. Moi, je mets le véhicule. Mon ami se prépare avec son Faggio, le camion vide, dans le même complexe que moi. Allez, c'est parti. Donc, j'aurais pu mettre, comme c'est moi qui l'aidais tout à l'heure, comme c'est lui qui m'aidait tout à l'heure, j'aurais pu mettre apparition, dernière position. Vu que tout à l'heure, j'étais en bas. Après, vous trouverez des petits raccourcis pour vous aider. Le bien, ce qui est bien, c'est de donner un véhicule et d'en recevoir un.
Là, vous allez gagner du temps et tout le monde sera content. Les gars, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir, vous le savez. Merci de votre soutien. Merci pour tous vos dons, les gars. C'est énorme. Franchement, vous êtes énormes tous. Allez, là, je vais commander mon hélicoptère pour me téléporter en bas. En attendant que mon pote, il se prépare. Donc, qu'il ait le camion vide, qu'il mette un fagot dedans. Ou qu'il est d'ailleurs, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'il rentre dans le fagot, avec un fagot dans le bunker et que le camion ait rien dedans. Donc les gars, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de bunker, on vous a sorti un braquage très facile à faire en illimité. Vous pouvez gagner 1 050 000 en 15 minutes. Allez, en 11 minutes faisable. D'accord? Vous avez la vidéo sur mon YouTube. Vous avez des vidéos pour gagner des RP facilement, pour augmenter vos capacités de tir. Passez faire un tour sur YouTube. Les gars, il y a du lourd. Sur ma chaîne, vous aurez tout pour vous rendre heureux. Et aussi, ouais, je voulais vous dire, rejoignez-moi sur Facebook, Glitch Fun, les gars. Si vous avez des questions et tout, vous nous écrivez là-dessus. Donc, je suis avec Kevin by Apple, les gars. Vous pouvez vous abonner aussi à sa chaîne YouTube. Kevin, espace, by, espace, Apple. Il est vraiment très fort aussi. Franchement, il leur laisse pas de quartier à ses glitches. Moi, je vous le dis, ils n'ont pas le temps de respirer avec nous deux. Allez, allez, l'hélicoptère, on va emmener là-bas, on va demander un véhicule qu'on veut donner, et c'est parti. Allez, repérez bien sur la carte où c'est que vous allez mettre le véhicule pour qu'il puisse le trouver facilement. Parce qu'il apparaîtra toujours au même endroit. Allez, on commande le véhicule qu'on veut lui donner. On va lui déposer et on attendra qu'il nous invite dans son bunker. Voyez, vous le mettrez ici. Et vous allez accepter l'invitation à son bunker et on va l'aider maintenant. Lui va se bugger comme moi tout à l'heure. Donc il fera flèche de droite, deux fois PS. Il va rester sur le message. Et moi je vais rentrer dans son camion, ressortir et lancer une mission Titan. C'est pas plus dur les gars. Tout le monde va pouvoir le réussir celui-là. Allez, c'est parti. Dès qu'il me dit qu'il est sur le message, moi je vais vite rentrer dans ce camion et je ressors.
Donc là, il doit être en train de préparer son activité. Vous rentrez dans le camion, vous ressortez de suite. Donc ça peut mettre du temps, comme ça peut être plus rapide. Vous attendez. Ça marchera à tous les coups. Allez, maintenant on ressort. Donc vous courez, c'est le mieux. Vous courez au niveau de la porte et vous validez les messages. Que sinon, vous avez vu, ça freeze un peu, ça bug. Allez, bim, on ressort. On va lancer une mission de Titan. Allez les gars, un petit pouce, qu'on arrive à 100 likes, ça ferait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas eu 100 likes sur une vidéo. Donc là, franchement, allez-vous. C'est pas dit qu'elle reste longtemps, donc je compte sur vous. Allez, on lance Mission Titan. Dès qu'on est dans la mission, on va prévenir notre ami qu'on est dans la mission. Lui, il va refuser son message. Il va aller dans le chat party. Il va faire rejoindre session. Il acceptera les deux messages. Et il va se suicider. Il va apparaître en bas à la marina et il va monter dans mon véhicule. Une fois qu'il est dans mon véhicule, il me dit c'est ok, moi je vais quitter la mission de Titan. Et c'est pas plus dur. Là, vous avez les deux côtés de la méthode. Vous pouvez pas fail, les gars. C'est bon, mon pote il est dans le véhicule. Je quitte et je sors du bunker. Donc vous voyez, ça bug. Moi, je vous conseille, vous courez et vous longez le mur. Si vous longez le mur, vous allez arriver du premier coup. D'accord? Donc moi, c'est vraiment la première fois que je faisais le glitch. J'ai un peu bugué comme ça, vous voyez, ça vous renvoie en arrière. Eh ben, longez le mur et ça vous en renverra pas en arrière. Donc c'est normal si ça vous fait ça. Vous voyez là, dès qu'on longe le mur, hop, on n'a plus rien. Et là, encore pareil, vous longez le mur. Là, vous mettez sur la côté droit là, ça vous irait sûr à tous les coups. Allez, une fois que vous êtes comme ça, vous sortez du bunker. Et vous rentrez dans le vôtre. Une fois que vous êtes dans le vôtre, vous voulez envoyer une invitation au bunker. Et la manip, elle est bientôt finie. Donc une fois qu'il aura validé mes missions, mes invitations au bunker, moi je vais rentrer dans le camion et lui envoyer une invitation dans mon camion mobile. Et lui, avec ça, il va se faire bugger derrière le camion. D'accord? Donc là, avec cette invitation bunker, il va l'envoyer. Ça va rien faire. Il va commander son centre d'opération mobile. Il va se mettre au cul du camion. Et il va accepter l'invitation que je vais lui faire du camion mobile. Donc là, vous lui envoyez une invitation au camion mobile. Et après, tout est bon, les potos. Il n'y a rien d'autre à faire. Lui, il va rester devant son camion sans rien faire jusqu'à temps qu'il soit téléporté avec son nouveau véhicule que je viens de lui donner. Voilà les potos! C'est gratuit. Ça vient du cœur. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!